Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Ce soir, encore une soirée spéciale, le livre de poche fait sa rentrée, où nous avons l'honneur d'avoir Sofia Aouine pour la sortie de son livre justement en format poche, Rhapsodie des Oubliés. Et pour l'interroger, nous avons Alice Auffray de la librairie Cheminant à Vannes. Avant de vous laisser la parole, mesdames, je voudrais rappeler que tous les gens qui nous regardent peuvent poser des questions par l'intermédiaire du chat en appuyant sur converser et je me ferai un plaisir de venir poser vos questions à Sofia en fin de rencontre. Mesdames, je vous laisse discuter entre vous et je reviens à tout à l'heure. Merci. Alors, bonsoir Sofia. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu ce livre-là qui vient de sortir en poche? Alors, bonsoir Alice et bonsoir à ceux qui nous regardent et merci déjà de m'accueillir dans un endroit où aller. Donc, c'est mon premier roman, ça s'appelle Rhapsodie des Oubliés, c'est paru en août dernier, ça fait déjà un an aujourd'hui et c'est un roman qui raconte l'histoire d'Abad, 13 ans, qui est un jeune gamin syro-libanais d'origine qui atterrit à la Goutte d'Or à Paris, qui est situé dans le 18e arrondissement. Et c'est un roman d'apprentissage tel qu'on en voit dans la littérature depuis des millénaires. C'est un roman en fait qui est un grand hommage à un film qui a changé ma vie, qui s'appelle Les 400 coups de François Truffaut. Donc c'est l'histoire d'un gamin qui est une sorte de Gavroche des temps modernes. Et également le deuxième personnage est celui de Paris, à travers l'évocation du roman naturaliste à la Zola, parce que la rue dans laquelle Abad grandit et fait son apprentissage de la vie, c'est la rue Léon. Et cette rue est la même rue que la rue dans laquelle Zola a ancré l'Assommoir. Donc c'est un roman hommage aux films et aux livres et aux musiques qui m'ont formée, moi, en tant que, je dis souvent en tant qu'être humain et en tant que femme. Et en même temps, c'est vraiment un roman d'apprentissage et une manière de raconter la petite histoire, les petites histoires dans la grande histoire de France. Donc c'est voilà, c'est mon premier roman qui est sorti en poche là, très récemment, le 19 août. Et donc c'est une nouvelle vie et c'est assez chouette. Voilà. Non, c'est vrai, il est super chouette. Et justement, d'où elle est venue cette idée un peu? Parce que à l'impression, moi, que j'ai eue à la lecture, c'était qu'il y avait comme un besoin d'exorciser quelque chose, de se libérer de quelque chose. Et je voulais savoir si, d'où c'était venu tout ça. Ah, c'est une grande question à laquelle je ne pourrais pas répondre en une heure. Je peux vous donner le numéro de mon psy si vous voulez. Mais non, mais exorciser, je ne sais pas, sûrement inconsciemment. Je ne fais pas d'autofiction. On m'en avait commandé une quand j'ai rencontré mon éditeur actuel, parce qu'on s'est rencontrés par l'intermédiaire de la radio, parce que la radio, c'est mon métier d'origine, avant la littérature. Et j'ai fait une émission sur mon parcours d'enfant placé, parce que j'ai été placée à l'aide sociale à l'enfance pendant presque 20 ans. 20 ans de ma vie, j'en ai 42 aujourd'hui. Donc 20 ans de ma vie, c'est presque toute la vie. Et suite à cette émission, donc dans la marche de l'histoire sur France Inter, j'ai une personne qui m'a contactée, qui travaillait au Seuil, et qui voulait donc me faire rencontrer les éditions Lamartinière pour me proposer d'écrire un roman sur mon parcours d'enfant placé et ma rencontre avec Dolto, la littérature, la radio, etc. Et puis, quand vous parlez d'exorcisme, peut-être qu'il y a ça, parce que j'ai fait une tentative d'écrire une autofiction et je n'y suis pas arrivée, parce que moi, j'aime la fiction, j'aime les grands personnages de fiction et c'est ce qui a fait... c'est ce qui a fait que moi, à qui on n'avait pas raconté d'histoire, j'ai pu, je pense, survivre. Et donc, le choix d'un gamin, alors que je suis une femme de 40 ans, d'un gamin de 13 ans, c'est arrivé comme arrivent les grands cadeaux de la vie. Et en fait, l'exorcisme, je pense qu'il se fait, oui, à travers ce personnage de gamin, parce que dans mon roman familial, qui a été assez chaotique, on m'a raconté que quand je suis née, ça a été le drame de la famille et qu'on aurait préféré un petit garçon. Et je pense que m'incarner dans un gamin de 13 ans comme ça et lui faire passer plein de choses de mes névroses profondes, oui, c'est un exorcisme peut-être de l'abandon parental. Après, je préfère dire que c'est inconscient et que c'est la littérature qui a mis un peu de sa magie et qui a fait son travail, quoi, de manière empirique, quoi. C'est plus... Je préfère me raconter ça plutôt que me dire que j'ai écrit pour exorciser une enfance, parce que tout le monde a une trace compliquée dans son enfance. Et je crois que l'écriture, pour certains, peut être un pansement ou une manière de survivre, mais je pense que ça devient du placebo fictionnel. Et je préfère que ça soit la fiction, parce que c'est ce qui m'a forgée, qui fait son travail de manière inconsciente. Donc, je vous répondrai oui et non. Je ne sais pas si ma réponse est claire, mais voilà. Si, si, très. Je fais souvent des questions à rallonge, des réponses à rallonge. Hein. Coupez-moi. Ça vous va? Bon, d'accord. Et du coup, avec tout ça, est-ce qu'il y a un message à faire passer à travers ce livre au public, à toutes les personnes qui vont le lire? C'est-à-dire un message? Quelque chose, pas forcément quelque chose que tu aimerais dénoncer, mais juste quelque chose que tu aimerais mettre en évidence à tous les gens, en fait, devant tous les gens. Est-ce que c'est un roman à message, un roman, par exemple, un roman militant ou quelque chose comme ça? C'est un roman, en fait, quand je racontais le fait que ça soit quelque part, quand tu parlais d'exorcisme, c'est pas vraiment un exorcisme, mais c'est une manière d'incarner un personnage de fiction tel que l'a fait François Truffaut à travers Antoine Doinel, en mélangeant l'autobiographie, la biographie, le roman et le cinéma. C'est un roman qui est vraiment un hommage flagrant, et je n'ai absolument pas honte de le dire, au Doinel des 400 coups. Ce film a changé ma vie, je le regarde une fois par an toujours, j'ai toujours les larmes aux yeux, j'ai dans une sorte de mon totem d'écriture à côté de mon bureau, il y a toujours les aventures d'Antoine Doinel, de François Truffaut chez Ramsay, il y a l'affiche aussi. C'est un personnage, moi, qui m'a vraiment forgée, parce que c'était une manière pour Truffaut de faire passer, en fait, ses blessures d'enfance, ses scories à lui, ses écueils de ce qu'on lui avait transmis à travers la fiction et à travers l'art. Et je crois que raconter son enfance de cette manière-là, c'est une manière vraiment de survivre à la de vivre et d'enterrer la survie d'une enfance un peu compliquée. Et je suis fascinée par les créateurs qui arrivent à faire émerger des enfants dans leur travail. Et Abad, il a 13 ans, mais il est à 7 minutes, comme dit Cocteau, où on bascule de l'enfance à la jeunesse. Et c'est ça que je voulais raconter, c'est cette minute compliquée. Je voulais aussi raconter à travers ça, et c'est pour ça que ça s'appelle Rhapsodie, parce qu'en grec ça veut dire couture de chant. Je voulais raconter dans le territoire de fiction qu'est un quartier, parce que la Goutte d'Or est le deuxième grand personnage principal de mon roman. Je voulais raconter comment, dans un territoire de fiction aujourd'hui, on pouvait raconter aussi une partie de l'histoire de France et une partie de la mémoire commune et de ce qui fait société. Alors qu'on est dans une époque où tout se délite un petit peu, on est en proie au communautarisme, les gens se replient beaucoup en termes identitaires sur parfois des chimères identitaires complètes, notamment chez les enfants de l'immigration ou autres, ou même il y a souvent dans les extrêmes politiques, etc. Et je voulais raconter qu'à travers des amitiés électives, des amitiés aussi historiques, à travers les trous et les béances de la mémoire commune, on pouvait se rencontrer. Et Romain Gary l'a fait avant dans La vie de devant soi. Il y a des grandes rencontres comme ça dans la littérature qui font société. Et je trouve que raconter ça à hauteur d'enfant, c'était donner une chance peut-être de sortir un petit peu du cliché ou du feel good, quoi. Et c'est un quartier dans lequel j'habite aussi. Même si j'ai un petit peu déménagé vers l'ouest là depuis le Covid, mais c'est pas, j'ai pas fui, c'était vraiment parce que bon, j'ai pas à m'expliquer, mais bon voilà, c'est pour ça qu'il y a des bateaux derrière pour faire. Je suis en Bretagne actuellement, voilà. Et donc, l'idée, c'était de raconter les petites histoires dans la grande histoire de France. Donc, c'est un roman sur la mémoire et sur la mémoire trouée. Moi, dans mes influences littéraires, il y a beaucoup... je suis vraiment une admiratrice profonde de l'œuvre de Patrick Modiano. Et pour moi, l'un des plus beaux romans que j'ai eu la chance de lire, parce que souvent, je me dis qu'on a la chance de lire des livres, c'est Dora Bruder, et qui se passe d'ailleurs dans le même arrondissement que mon livre. Et ce roman est pour moi la manière dont on peut arriver dans un territoire de fiction, dans ces béances mémorables, mémoriel et dans l'histoire à reconstruire un récit. Alors c'est un récit qui n'est peut-être pas un récit historique au sens empirique du mot histoire, mais l'idée pour moi c'était d'évoquer des événements historiques qui ont traversé le 18e, qui ont traversé la Goutte d'Or notamment, et qui relient chaque petit peuple et petite personne oubliée dans une grande ville qui est devenue une ville assez difficile à appréhender. Mmh. Et l'idée, c'était de recréer comme ça du lien, et de recréer du lien à travers les mémoires, et de raconter cette richesse aussi qu'est une rue, tout simplement, quoi. Mmh. Donc, je dis souvent qu'il n'y a rien d'original dans mon livre, je ne sais pas, mais en tout cas... l'idée, c'était d'en faire une peinture d'aujourd'hui et de continuer à dérouler le fil de mes lectures qui, moi, m'ont élevée au rang d'être humain et ont fait de moi la femme que je suis, quoi. Donc, on dirait un discours politique. Bon, bref, je sais pas trop. J'espère que mes réponses sont pas trop longues. Non, non, c'est très intéressant, au contraire. Et du coup, oui, on voit que tu essayes pas forcément de redorer l'image de ce quartier, mais peut-être juste de pointer du doigt des belles choses que les gens ne voient pas forcément. C'est intéressant aussi, je trouve. Il y a, à la fin de mon livre, je dédicace je remercie les inconnus qui m'ont donné envie d'écrire sur cet arrondissement et sur cet arrondissement dans lequel j'habite et dans lequel je me suis réinventée. Il y a Guitry qui disait « Être parisien, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître ». Moi, j'adore cette phrase. Et Paris, ça m'a complètement métamorphosée. Déjà, la rencontre avec la Nouvelle Vague, le cinéma, enfin bon, je ne vais pas rentrer dans mon parcours non plus, mais... l'idée, c'était vraiment de tisser comme ça des petites histoires à travers, les achoppements mémoriels de chaque personnage et de raconter aussi ce petit peuple un peu, moi, ce que j'appelle le ventre de Paris, tel que Zola l'ancrait dans les Halles. L'idée, c'était de raconter un petit peu quelle est la couche populaire aujourd'hui à Paris et le 18e arrondissement, quartier dans lequel j'habite et que j'aime profondément jusqu'à même la schizophrénie, parce que c'est un quartier qui est difficile. Je trouvais qu'il fallait raconter le réel. Moi, je viens du documentaire sonore et je trouve qu'on ne peut pas enjoliver les choses sous prétexte de ne pas déranger certaines communautés ou déranger certains débats politiques. Donc, mon idée, c'était de raconter la ville telle que je la voyais, la ville telle qu'un gamin l'aperçoit, un gamin qui est originaire d'un pays, qui est au Moyen-Orient et qui se confronte comme ça, peut-être au rêve de Paris, tel que certaines personnes le perçoivent comme un cliché à la Mélie Poulain. Donc l'idée, c'était de raconter comment la grande ville tâche parfois l'imaginaire, parfois le stop. Et c'est vraiment pour rester dans la ligne droite de ce que Zola avait fait avec L'Assommoir. Gervaise est une petite bonne originaire de Plassans dans le sud de la France. Elle monte à Paris pleine de rêves, bon, le rêve de l'embourgeoisement, mais le rêve quand même d'une certaine dignité par le travail, et elle se retrouve complètement confrontée au déterminisme social et à la pauvreté, l'alcoolisme, etc. Et moi, dans mon roman, il y a une Gervaise que j'ai empruntée de manière évidente à Zola, mais ma Gervaise est une jeune femme d'origine camerounaise qui passe par les réseaux de prostitution nigérians. Et l'idée, c'était de raconter la réalité d'un territoire aujourd'hui qui est le 18e arrondissement, et de savoir comment aujourd'hui le déterminisme social avait continué. Et la Gervaise de Plassans, qui passe par les affres de la prostitution, par le déclassement, etc., par les rêves avortés, par la violence conjugale. Coupeau, c'est pareil. Coupeau, le père d'Abad est un hommage à Coupeau et à tous ces hommes qui ont donné de leur corps dans leur travail et qui ont été, le jour où leur corps est handicapé, ne servent plus à rien dans la communauté des hommes. En fait, vraiment, c'est un hommage à ce petit peuple de Paris, sans faire de démagogie. C'est un roman vraiment qui est aussi dans la ligne droite des chansons populaires d'Aristide Bruand. C'est un quartier de tout temps où il y a eu des couches populaires qui ont essayé de survivre et qui ont apporté avec leur histoire et avec leur béance, avec leur parfois leur côté ridicule, un apport culturel au roman populaire, quoi. Mmh. La bande d'Abad s'appelle les Apaches en référence. Vous avez le personnage d'Odette qui est aussi un hommage aux petites bonnes bretonnes qui venaient par Montparnasse trouver du travail après avoir fui certaines des familles catholiques ou des mariages forcés, ou certaines juste cherchaient une petite œuvre qui était envoyée dans des familles bourgeoises. Et puis là vous avez le personnage d'Odette. Odette, c'est une femme qui évoque aussi ces petits lieux à Paris qu'on n'a pas forcément envie de voir dans la carte postale ubérisée qui est devenue Paris. C'est vraiment un hommage au petit peuple et à toutes les histoires qui font le Paris, un Paris vraiment d'une mémoire qui disparaît, et quand elle disparaît pour toujours. Il y a un passage entier qui est consacré à ce qu'on appelle les Chibani, qui sont les vieux, les travailleurs immigrés, notamment beaucoup du Maghreb, qui ont peuplé la mémoire culturelle et la sève de la Goutte d'Or, qui ont créé ce qu'on appelle le Chabi, c'est-à-dire la musique de l'immigration. Il y a vraiment dans ce quartier, en fait, depuis des centaines d'années, des mélanges culturels qui font aussi la culture française, pas uniquement la culture immigrée. Et aujourd'hui, Tati ferme, parce que la mondialisation est passée par là, le Covid est passé par là, et Tati, à la base, c'est une successful story d'une famille de pieds noirs originaire de Djerba en Tunisie, la famille Waki. Et Tati, c'est Tita, c'était la tante du père Waki, qui était chiffonnier. Quand il est arrivé au boulevard Barbès, il était chiffonnier sur le boulevard, il vendait des chiffons, et il a créé un empire du commerce populaire. Et Tati, dans l'imaginaire collectif, c'est pour ça que je lui rends hommage dans mon roman. Et voir Tati fermer aujourd'hui, c'est voir aussi une certaine mémoire du Paris populaire être enterré définitivement. Et le carreau Vichy-Rose, comme je dis dans mon roman, est connu jusqu'au fin fond de l'Australie. Il est aussi fait partie d'un héritage collectif de la mémoire immigrée, qui est parce qu'à Tati on se marie, il y a Tati mariage, on achète des bagues, donc ça fait partie de la manière inhérente d'un héritage collectif et puis d'une mémoire collective. Pas uniquement d'ailleurs pour les immigrés du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, c'est aussi c'est comme en fait l'histoire des grands magasins, quoi. Et c'est un roman vraiment qui tisse la toile comme ça de plein de mémoires dans un territoire, et de mémoires qui sont gommées par le temps qui passe, par la mondialisation, par la gentrification. Et moi je suis quelqu'un de très sensible, et quand je voyais des vitrines fermées, je savais que le lendemain, on allait oublier la personne qui avait vécu à l'intérieur. Ou quand je voyais un petit vieux disparaître d'un banc, parce que, étant donné que j'ai été coupée, moi, de mon enfance et de la mémoire du roman, enfin de la transmission du roman familial, et que j'ai dû me bâtir toute seule une culture, etc., eh ben, je crois que je m'attache aux choses, et ce territoire, je l'aime profondément. Et c'est vraiment un hommage à ce Paris populaire que j'aime, et que j'aime à travers les chansons de Mistinguette, que j'aime à travers Aristide Bruand, que j'aime à travers les films de René Clément, que j'aime à travers Casque d'Or. C'était ce Paris-là, quoi. C'était important pour moi de continuer dans cette ligne-là, et en même temps de ne pas faire de mettre du ripolin sur la réalité sociale, qui est une réalité qui est coincée aujourd'hui entre le retour du crack, de la drogue dure, de l'écueil de la politique migratoire, d'une gentrification acharnée, de loyers qui sont de plus en plus difficiles à payer pour même les familles de classe moyenne. Donc l'idée, c'était de raconter aussi que dans ce territoire-là, notamment entre Châteaurouge et la Goutte d'Or, effectivement, Fox News a parlé de no-go zone, c'était un peu ridicule à l'époque, mais se jouent les problèmes urbains de Paris aujourd'hui, quoi. Et je trouvais ça intéressant de raconter, comme je vous disais, ça à hauteur d'enfant. Désolée pour mes réponses à rallonge. Non, comme je disais, c'est vraiment très intéressant, au contraire, d'avoir toutes ces interprétations qui permettent de mieux comprendre l'histoire, et qui permettent aussi de savoir d'où d'où tout ça vient, d'où l'histoire vient, d'où les personnages viennent. Je trouve que c'est super intéressant. Et de voir qu'en plus, tout ça a été, découle un petit peu de plein d'œuvres qui ont été avant, comme tu parlais de Zola, tu parlais de Modiano, tout ça. Non, au contraire, je trouve ça super de voir qu'il y a toutes ces inspirations derrière. Mais ça n'est pas moins une œuvre originale, mais ça reste un premier roman. Donc, pour moi, un premier roman, c'est un roman qui boite un peu et dans lequel l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose avec ce que je suis. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas mentir ni le travestissement. Donc, voilà, c'est un roman sincère. Ça a été écrit comme ça. Peut-être que dans 3 ans plus tard, il aurait été différent. Ça reste une première œuvre et se jouera après la suite sur le deuxième. Mais en tout cas, Abad est un personnage qui grandira avec moi, en tout cas. Et aujourd'hui, il a fallu que je le quitte pour tenter d'écrire mon deuxième livre. Et quand j'en parle comme ça, c'est pour ça que je respire même pas quand j'en parle parce que c'est très difficile. Enfin bon, c'est mon Doinel à moi, quoi. Donc, Doinel a grandi avec Truffaut à travers ses films et j'aimerais que Abad grandisse avec moi à travers mes livres, en fait. Voilà. Tu penses y revenir un jour à Abad ou pas, avec quelque chose d'autre peut-être? Grâce à l'accueil des lecteurs, j'ai eu quelques personnes, même pas mal, qui m'ont demandé de continuer. De continuer un deuxième tome parce que notamment certains personnages comme Ida, Ethel, qui est la psy d'Abad, ils ont envie de savoir comment elle a grandi. La nana, Gervaise, que Gervaise a sa fille Nana également. Et puis Abad surtout, Odette également. Et voilà, c'est un roman dont j'allais dire, il y a un côté un petit peu entré dans ce livre et il a fallu que je le termine et ça a été tout le travail d'apprivoisement de mon éditrice parce que peut-être qu'aujourd'hui c'était pas un roman écrit pour être publié, c'était un roman que j'ai écrit parce que ça m'aidait à continuer à regarder le monde en fait, tout simplement. Et puis une rencontre avec un éditeur est passée par là, mais je n'ai jamais envoyé le manuscrit. Elle a été là pour m'accompagner, c'est des rencontres électives et toute l'histoire de ce livre, de la sortie du livre, ça n'a été que ça, des rencontres, pas comme une sorte de conte de fées, mais presque. Et puis, et la suite, oui, je pense que il y aura une suite. Ouais. Après, mon deuxième roman est complètement différent et moi, j'aime profondément la fiction et tordre le réel. Et du coup, le deuxième roman sera complètement, encore plus, j'allais dire, sera une épopée moderne. Mais bien sûr, il va continuer à grandir et il continue à grandir en moi et j'espère qu'il continue à être présent dans la tête de tous les lecteurs qui m'ont fait le cadeau de le lire, quoi. Et dans le lectorat que j'ai rencontré en salon, ce qui était génial, c'est qu'il y avait des papis de 80 ans, des personnes de toute classe sociale, j'ai rencontré des collégiens. Et en fait, Abad est suffisamment, je pense, un personnage qui touche à l'universel pour parler à l'enfant qu'on a été. Et la dernière phrase de mon livre, sans déflorer la fin, j'aime pas le mot divulgacher, donc je dis déflorer. Hein. C'est un peu sexuel, mais c'est pas grave. Donc, dernière phrase, c'est « Ce qui nous lie, ce sont les enfants que nous avons été ». Et c'était vraiment l'envie de raconter, l'enfant et de toucher l'enfant que chacun a pu être dans ce bouquin, quoi. Voilà. D'accord. C'était pour moi. D'autres questions ? Ouais, comment, une petite question comme ça, comment est-ce que tu en es arrivée à l'écriture, en fait ? Waouh. Comment j'en suis arrivée à l'écriture? Franchement, je ne sais pas. C'est une question auquel je... Non, ça a été une cassure dans ma vie à un moment. J'ai eu la chance, malgré un parcours compliqué d'enfant, d'adolescence et de début d'âge adulte, de rencontrer la radio. Ça a été le premier territoire dans lequel moi j'ai pu poser ma voix quelque part. Comme je vous disais, la voix qu'on m'a refusée enfant dans l'histoire de ma famille. Il y a eu la radio, puis à un moment, quand on est un enfant résilient, les forces ne sont pas... les forces peuvent arriver à une forme de... Enfin, elles peuvent s'arrêter, quoi. La résilience a ses failles et a ses fins. Et la fiction est arrivée au moment où, j'allais dire, la radio et le réel, parce que je faisais du documentaire et du reportage, En fait, bon, allez, je vais arrêter de faire de la poésie. Un jour, j'ai plus réussi à me lever pour aller travailler. J'ai fait une dépression et il a fallu, parce qu'il fallait, moi j'aime parler au monde, j'aime faire émerger des voix et à travers ces voix raconter, peut-être, ou trouver ma place dans le récit collectif qui est la vie et Abad peut-être est né de cette cassure-là. Il est arrivé un matin de juillet et il ne m'a pas lâché, il ne me lâche pas toujours. Donc dans la vie, on a la chance d'avoir des personnages comme des amis imaginaires et ce gamin, c'est ça, quoi. Donc je suis arrivée à l'écriture comme ça. Il y a aussi l'histoire de Dolto, etc. Mais je ne vais pas y revenir. Je crois que ça fait partie du destin que je devais embrasser. C'est comme ça. Après, j'ai toujours du mal à dire que je suis écrivain, par exemple, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire commencer à écrire un livre? Est-ce que ça veut dire finir un livre? Est-ce que ça veut dire avoir un prix littéraire? Est-ce que ça veut dire être un auteur vendu? Ça dépend comment on l'envisage. Pour moi, être écrivain, c'est juste me dire que c'est ce moment où j'ai envie de faire émerger des histoires et des personnages. J'y prends un plaisir... Et ce plaisir-là vient gommer tout ce qu'il y a autour. Et j'aime raconter des histoires parce qu'on ne m'en a pas raconté. Et je crois que c'est une manière aussi de vivre, tout simplement. J'ai toujours du mal à analyser comme ça ce thème écrire. Même si j'aime beaucoup Duras, elle disait dans le livre Écrire, qui est une sorte de Bible pour moi, écrire chez Gallimard, elle écrit, écrire c'est hurler sans bruit et c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça parfois. Voilà, je sais pas, c'est comment continuer une enfance, comment se lier aux autres, c'est... Enfin voilà, bref, Kenavo. Juste, Sofia, avant qu'on prenne l'antenne, nous a dit qu'elle était très timide. Là, ça fait 30 minutes que comme quoi, les écrivains ne sont pas si timides. Oui, mais je parle, mais je ne regarde pas la caméra, je regarde le bateau qui est en face de moi. C'est une belle source d'inspiration. Je ne sais pas si Alice, tu as terminé. Moi, c'est bon pour moi. Mais merci pour tes questions, Alice. Merci à toi d'y avoir répondu. Alice reste là, si elle a envie de poser des autres questions, elle peut toujours les poser. Une chose qu'on n'a pas dite et qui est écrite sur le bandeau de ce livre, c'est que tu as eu le prix de Flore. Et il y a justement une question en ce sens, c'est Laurence qui la pose et qui dit « Vous avez reçu un prix littéraire, qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça a changé ?» Si ça a changé quelque chose, bien sûr. Ce livre a une histoire un peu hors du commun. Déjà, il a été... J'ai jamais envoyé de manuscrit, on m'a contactée. On m'a fait signer un contrat pour écrire 2 livres, dont une autofiction que j'ai jamais réussi à écrire parce que ce n'est pas du tout mon truc. Et j'avais déjà Abad dans ma besace et j'ai proposé ça à ma maison d'édition. Ensuite, quand le livre est sorti, sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et il a touché des gens vraiment de manière très profonde et il a eu un accueil alors que c'était une rentrée où il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans comme... Les rentrées littéraires en général, c'était un vrai pari. Et avoir un prix littéraire, c'est vrai que c'était quelque chose, j'y crois toujours pas aujourd'hui, surtout le prix de Flore, parce que c'est un prix qui existe depuis presque 25 ans, et c'était pour les 25 ans d'ailleurs. Ça représente aussi toute une lignée d'intellectuels de Saint-Germain-des-Prés et une manière aussi de s'inscrire dans la culture française. La marraine du prix, c'était quand même Sagan à la base. Bah, c'est une reconnaissance et en même temps, ça fait partie des grandes surprises de l'histoire d'un livre, quoi. Donc ça n'a pas changé, ça a changé, c'est vrai que j'ai eu un verre de vin pendant un an, un très très bon verre de vin à la Doucette, j'en ai encore le droit, mais le problème avec le Covid c'est que c'est un peu compliqué, que j'ai eu un superbe accueil derrière, j'ai eu pas mal de presse et puis c'est un très beau prix pour moi parce que c'est un prix qui a récompensé des auteurs qui sont quand même des grands auteurs contemporains de Houellebecq à Despentes en passant par Amélie Nothomb, Jeanne Ada, etc. Donc c'est un prix quand même avec une belle histoire, quoi. Pour moi, mais c'est toujours inimaginable, quoi. Voilà. Alors, je voulais juste revenir sur la couverture de ce livre de poche. Donc, on imagine que c'est Abad. Donc, d'ailleurs, on salue le travail des équipes du livre de poche, qui ont toujours des couvertures somptueuses. Est-ce que vous imaginez que vous allez avoir dans les rayons des librairies votre livre en grand format et en livre de poche? Qu'est-ce que ça fait de voir l'objet en plus petit? Ça vous a fait quoi quand on vous a dit ça y est, il va sortir en livre de poche? Eh ben, franchement, ça me, à chaque fois, je mets des croix sur mon agenda parce que c'est comme si j'étais une renaissance à chaque fois. Il y a quelque chose de l'ordre vraiment du cadeau de la vie et c'est formidable. Et ce que j'aime le plus, c'est que quand il y a des gens qui me contactent via les réseaux sociaux et qui m'envoient des photos, en fait, à chaque fois, je me dis... c'est formidable qu'un libraire, à un moment, malgré toute la profusion d'une rentrée littéraire, ait eu envie de mettre mon livre en avant et été touché par cet auteur-là, enfin par mon personnage. Et c'est une manière aussi, dans une industrie du livre qui est quand même difficile, de rester sur les tables. C'est comme un prix, ça permet un petit peu de rester sur les tables et d'avoir encore de la chance qu'un livre continue à pouvoir toucher un lectorat. Après, moi, il y a une cabine à livres où j'ai laissé un livre de poche juste en bas de chez moi, là où j'habite en Bretagne maintenant. Pardon ? Rhapsodie des Oubliés, vous avez laissé. Rhapsodie, oui, voilà. Et je me dis que un livre, c'est aussi cette vie-là, une vie de hasard. Mais bien sûr, ça me touche énormément et en même temps, j'ai pas écrit pour ça, mais je veux dire, si ce n'était pas arrivé, je l'aurais très très mal vécu, je pense. Un livre est fait pour être lu par le plus grand nombre de personnes. Après, les prix, l'argent, tout ça, je sais pas trop comment vous répondre. Il faut être honnête aussi. Enfin, quand on gagne un peu bien sa vie, ça permet de pouvoir envisager les choses de manière plus relaxe et la bohème, c'est bien, mais moi qui suis quand même, j'allais dire, issue d'une histoire compliquée, je suis heureuse aussi que tout le travail que j'ai mis et toute la sincérité que j'ai mis dans ce livre me permettent aujourd'hui d'en écrire un deuxième de manière un peu plus confortable. Donc, s'il reste sur les tables, c'est qu'il continue à se vendre et qu'il continue à toucher un lectorat et qu'il continue quelque part aussi à me permettre de continuer à être écrivain de manière réaliste, quoi, dans la vie quotidienne, quoi. Alors, il y a Arnaud qui voudrait savoir, parce que vous avez parlé beaucoup de cinéma et de l'influence du cinéma, pourquoi avoir choisi d'écrire un livre plutôt qu'un scénario de film ? Parce que le scénario est un métier et je ne suis absolument pas faite pour ça, et j'aime la littérature parce que j'aime la liberté et que pour moi la fiction, en gréco-latin ça veut dire tordre le réel, et j'aime, pour moi le roman c'est l'espace de liberté qui reste uniquement dans la création. Et on peut être qui on veut. Dans ce livre, j'ai été une vieille dame, une femme africaine, un petit garçon de 13 ans, un vieux monsieur. J'ai été mille et une personnes, et peut-être mon côté schizophrène aime l'aspect de la littérature, et je trouve que dans le roman, on peut inventer une poétique, inventer une langue, en faire une sorte de terre glaise et continuer à magnifier ce beau cadeau qu'est la francophonie. Donc le scénario, c'est pas du tout fait pour moi parce que c'est un travail... je n'ai pas les capacités, je pense, ni le talent d'écrire des scénarios. C'est un travail de réécriture, de réécriture, et c'est un travail dans lequel je me sentirais frustrée et où la musique ne serait pas assez présente pour moi. Quand j'écris en musique, et j'aime écrire parce que j'aime, après une journée d'écriture, me relire à voix haute. C'est pas par égocentrisme, c'est parce que j'aime que les mots claquent à mon oreille, et je viens de la radio. Et moi, mes premières lectures ont été des fictions radiophoniques. Et le fait que mon livre sorte en livre audio, c'est aussi une manière pour moi de réinventer ce bouquin, quoi. Donc, le cinéma, c'est... Les films que j'ai choisis sont souvent des films... ce qu'on appelait des romans cinéma, quoi. Truffaut était très inspiré par le roman. Je fais une référence aussi à la jetée de Chris Marker. On appelait ça le ciné-roman. C'est pour moi la jonction entre la photographie littéraire et la photographie sonore. Il y a quelque chose... Ça va, je délire pas trop là? Non, mais non. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Et tu viens de parler de la version audio-libre. Donc c'est Ariane Ascaride qui lit ton texte. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que tu as un lien avec elle ou c'est le hasard? Encore une fois, c'est moi qui l'ai choisi, mais on s'est rencontrés pendant le confinement. J'ai une amie comédienne. En fait, le choix avec l'équipe d'Audiolib était peut-être plus porté sur un homme. Et moi, je trouvais ça intéressant parce que j'avais fait un club de lecture avec des dames très sympas juste avant le début du confinement à Paris. Et quand j'ai lu le personnage d'Abba, je leur ai dit « Vous voyez plutôt une femme ou un homme lire ce roman ?» Elles m'ont dit une femme parce qu'une femme permettra de rendre le récit d'un gamin encore plus universel. Et justement, c'est un roman aussi sur les femmes. C'est un roman à la frontière entre le féminisme et la peinture sociale des femmes. C'est un gamin qui se réinvente à travers la voix des femmes et qui se fait élever dans le sens de l'élévation et d'éducation à travers ses rencontres beaucoup avec les femmes. Et c'est aussi un roman sur les violences faites aux femmes, parce qu'il y a beaucoup de personnages comme ça qui passent et dont on sent en filigrane aussi les écueils parfois du parcours et de la violence des hommes et du patriarcat. Et c'est vrai que le choix d'une femme comme Ariane Ascaride, c'était aussi la volonté de trouver une comédienne qui porte en elle et dans sa vie et dans son combat de femme des opinions et surtout des combats, j'allais dire, qui ressemblent quand même à ce que j'ai voulu faire transparaître dans ce livre. Ariane Ascaride est une immense comédienne qui est quelqu'un aussi dans la vie de formidable et qui est quelqu'un qui, quand elle a eu le prix d'interprétation à le Lion d'Or à Venise, a dédié son prix à un migrant, et c'était pas par démagogie. C'est quelqu'un qui aime profondément en fait l'universel et l'homme et la femme. Et j'aime sa gouaille marseillaise se sont bien prêtées à ce gamin. Et elle en a sorti l'essence un peu bitume et en même temps enfantine. Et je lui ai envoyé mon livre pendant le confinement, voilà, comme ça. Elle l'a lu dans la journée et elle m'a répondu « ça sera un honneur de le faire ». Et on a discuté, et quand j'ai reçu ça, je me suis dit « j'ai bien fait de la choisir ». Et voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours, donc le livre est là. Et sincèrement, je pense que c'est les choix de la... Pardon ? Que du bonheur. Un livre de poche et un audio-livre, c'est que du bonheur. Bah, est-ce que vous, en tant que libraire, vous trouvez ça bien ? Oui, oui, oui. Je sais que c'est une chance, ouais. Après, c'est un travail collectif aussi. Hein. Moi, j'ai une dernière question, et c'est moi qui vais vous la poser en tant que libraire, parce que moi, quand j'ai lu ton roman, que Séverin Cassan me l'a envoyé, la première réaction que j'ai eue, c'est un diamant brut, voilà, ce qui m'est sorti de ma lecture. Et j'ai lu, je crois que j'ai lu avec beaucoup d'attention, et j'ai envie de te poser cette question. Quelles paroles comptent et quelles histoires méritent d'être racontées ou retenues? Parce que c'est un peu ça qui est en filigrane dans ce livre. Alors, bon, tu n'as pas 3 heures pour développer la réponse. Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe en disant qu'il y a de ça dans ce... Oui, il y a de ça, il y a de ça. Toutes les paroles comptent. Pour moi, c'était important. Je vis à Paris, je vis dans ce quartier, je le connais, je le ressens, je l'aime profondément tout en le haïssant profondément, dans son injustice, dans ses latrines, etc. Et l'idée d'en extraire la poésie à travers la voix comme ça des oubliés et d'en faire une sorte de rhapsodie moderne, c'était, oui, une manière d'embrasser ce que tu dis, je crois. Donc, toutes les voix comptent, mais pour moi, ce qui était plus important, c'est d'extraire une sorte de poésie païenne de ce quartier et de raconter la petite histoire dans la grande histoire de France, les petites histoires dans la grande histoire, et ce qui nous lie tous à travers l'enfance. Donc, toutes les voix comptent, et ça va paraître peut-être un peu con ce que je vais dire, mais je trouve ça important d'écouter les vieilles personnes dans la rue quand elles ont des choses à raconter, de se dire bonjour. Et Rhapsodie des Oubliés, c'est une manière de se dire que quand on arrête l'hystérie du temps, l'hystérie des réseaux sociaux, et qu'on regarde son voisin, il a toujours une histoire à nous raconter et on a toujours un lien avec l'autre. Et ce lien passe par la fiction, passe par l'imaginaire, passe par l'enfance et passe tout simplement par l'amitié. Et donc, c'est des valeurs que je trouve importantes de mettre, mais sans en faire quelque chose de démago ou d'être dans le pays des bisounours. Rhapsodie des Oubliés, c'est un roman entre fureur et tendresse. Et le dire par la voix d'un enfant, c'était aussi peut-être me permettre des libertés que j'aurais pas pu si je m'étais incarnée dans une femme de 30 ans qui racontait son quartier. Donc voilà. Belle conclusion. Belle conclusion. Bah, merci. Là, ça fait à peu près 45 minutes qu'on parle, donc on va conclure cette rencontre. Je voudrais quand même dire à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aller à la librairie Cheminant à Vannes, voir Alice et les autres libraires pour acheter ce fabuleux roman qu'il faut absolument... Allez chez Alice. Voilà. Je ne fais pas de solde, hein, par contre. Non, le prix du livre est unique en France, on le rappelle encore une fois. Merci Jacques Lang. Vous pouvez aussi l'acheter dans toutes les librairies de France et de Navarre. Vous pouvez aussi aller sur notre site unendroitoualler.com où vous pouvez, sur la page de la rencontre de Sofia, cliquer pour acheter le livre, soit en version papier, donc il y a un site marchand hein, chez Cheminant, je ne me trompe pas. Oui, oui. Voilà, qui est relié vers Cheminant, qui est relié sur la librairie la plus proche de chez vous et aussi en format numérique. Voilà. En tout cas, un grand merci Alice d'avoir pris le temps d'être avec nous. Un grand merci. Ben, merci d'avoir pensé à moi aussi. Ouais. Merci pour votre accueil. C'est une très bonne initiative, je trouve, dans ces périodes parce que le lancement, par exemple, du livre devait avoir lieu dans 10 jours et il vient d'être annulé aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une bonne initiative pour continuer à faire vivre les livres et à pouvoir rencontrer les lecteurs aussi de faire cette émission. Un grand merci à toi de nous avoir livré toutes ces explications avec passion, parce que quand on t'écoute parler, on resterait des heures, mais on ne peut pas rester des heures. Merci d'avoir dégagé du temps pour nous. On te souhaite de bien écrire le deuxième roman. On a hâte qu'il sorte et on a hâte de le lire. Oui. En attendant, voilà, Rhapsodie des Oubliés est là. N'oubliez pas d'aller l'acheter. C'est important. Pas sur Amazon. Il est super bien. Non. En tout cas, nous, on se retrouve lundi à 19h. On aura la chance d'avoir Pierre-Louis Basse qui a sorti un livre chez Belfond qui s'appelle Rien n'est perdu. Donc, ça sera un ancien de radio aussi, d'Europe 1 d'ailleurs. Ouais, voilà. On n'invite que la radio en fait. Ouais, j'ai eu la chance de croiser. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt, j'espère. Voilà.